Ben, il faut l'occuper sa journée. Bah là en fait, je suis juste venu encourager Enzo et regarder surfer. 9.63. Boost. 20 seconds remaining, guys. So once again, the situation changed with the last of red. 3, 2, 1. Ça partait plutôt bien au début et bah à la fin là, enfin, il n'y a pas eu trop de bonnes vagues dans la série. Du coup, en fait, les scores étaient assez petits. Et le rouge a eu besoin que d'un unofficial result. Red first, green second. Et il a fait white, juste à la fin. Third, et du coup, Enzo est passé de. Il a fait, Enzo a fait 1, 2, 3 en fait. Et du coup, bah, il s'est fait éliminer. Voilà. Je suis la dernière série de la journée en fait. Du coup, ça fait long à attendre. Du coup, je pense que je vais peut-être aller manger un petit truc avant ma série. Parce que, enfin, faut pas manger trop tard sinon je vais être trop lourd. Et après, je pense que je vais rentrer à l'hôtel me reposer. Rester dans le site de compète, en fait, c'est assez fatigant. Enfin, ça te mange pas mal d'énergie. Du coup, souvent, on a tendance à rentrer à l'hôtel pour se reposer un peu et arriver une ou deux séries avant la note pour regarder les vagues et pour savoir où se placer, en fait. Tout dépend de comment ils avancent. Là, pour l'instant, je suis sûr que je vais surfer aujourd'hui. Mais il faut aussi que j'aille faire un free surf pour me réveiller parce que j'en ai pas fait encore. Normalement on le fait tôt le matin mais j'ai préféré dormir un peu ce matin. J'ai fait champion d'Europe pro junior l'an dernier et du coup en fait j'ai une wildcard pour tous les QS en Europe. Et du coup en fait j'ai la chance que dans les QS en Europe il y ait 2 6000 et un 10 000. Du coup en fait je peux rentrer dedans pas du tout grâce à mon classement mais grâce à cette wildcard en fait. Les points montent beaucoup plus vite sur les 6000 et 10 000, du coup si j'arrive à passer quelques tours, je peux peut-être me qualifier sur les 10 000 là maintenant grâce au classement. Mais c'est fait vraiment beaucoup de gens forts du coup, enfin je verrai, je vais me lâcher, on verra. Encore 3, ça fait 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ouais, je suis dans 6 heures à peu près. j'ai plutôt bien commencé ma série et au final, au milieu de série, j'ai eu assez de mal. J'aurais pu vraiment mieux faire. Je suis tombé pas mal de fois, j'ai fait un mauvais choix de vague. Pas mal de petites erreurs à corriger pour les autres compètes. Bah, ma stratégie, c'était essayer de prendre deux bonnes vagues directes. Pour après essayer d'améliorer et faire des meilleurs scores. Mais j'ai même pas réussi à avoir de bonnes vagues. Donc, Là, il n'y a personne. Oui, au moins on a une terrasse quand même. Mais là, on voit le site de compète, regarde, du vide sur la vague. Ouais, c'est un deux pièces. Hein. En fait, et comme nous on a juste la douche, on n'a pas les toilettes. Et lui, il a la douche et les toilettes. Du coup, bon, on traverse. Du coup, on a un sort de petit appartement avec terrasse et vue sur mer. Là, c'est la 8. Du coup, je passe dans 8 séries. C'est-à-dire dans presque 3 heures je passe, dans 2 heures et 40 minutes. Bah là en fait, souvent la WSL nous envoie des liens, en fait, ils nous conseillent des hôtels qui sont pratiques. Et puis souvent je cherche de mon côté, ma mère cherche de son côté. Et comme souvent elle arrive mieux que moi à trouver. Ouais. Les mamans. Les mamans, ouais. Et du coup bah souvent bah, on prend, voilà. Et là on est content, enfin on est à côté, parce que c'est chiant de prendre la voiture le matin et tout. On n'a pas le pouvoir d'être dessus normalement. En fait, mais voilà, c'est un secret, on ne dira pas. Merde, je croyais pas qu'il allait refaire le paquet. Il y a une immense première, une flotte et une immense dernière. Oups. Ouais, je vais avoir froid, je pense. Mais je reste pas longtemps. Et entre les deux, entre ta session de free et ta série, tu fais quoi? Je pense que je vais revenir ici, me changer, me mettre au chaud. Et retourner voir la mer. Et retourner voir les vagues un peu. Avant ma série. Hop, je suis la dernière de la journée. C'est la 16e, hein, c'est ça? Ouais, faut pas rester non plus trop longtemps sur. Ouais, le site de compète, c'est fatigant. Parce que enfin n'empêche, tu sais, et en plus quand il y a tes potes qui passent, enfin consciemment tu stresses, enfin consciemment même tu stresses, et du coup bah ça donne plus d'énergie quand même.
Et des fois, tu t'éparpilles et tu penses quand même à autre chose, plus à eux qu'à toi. Enfin... Bonjour. Salut. Bonjour. Ah, bah on les a perdus. Bah, là, je vais surfer avec bah, Enzo et Thomas, en fait. Mon free surf en ma série. Voilà. Yes, à plus. Blue serve with 4.5 and white force. Vaya plus. Allez, bonne chance. Merci. Là, je vais à gauche, faire, en fait, m'échauffer et me concentrer un peu avant ma série, quand même. Et voilà. Et ouais, me concentrer et m'échauffer. C'est parti pour le surf en bleu. Ouais, à plus. Ça décolle. 6.17. 10 minutes, 30 seconds to go. Ça va partir pour un prière en rouge. Bon, ça va être sur cette gauche. J'étais pas bien sur mes jambes, sur les droites. J'ai eu quelques droites, mais je faisais des quarts. Là, j'ai pas eu trop de bonnes vagues. J'ai eu une gauche correcte, mais enfin, j'ai pas eu de bonne. Peu merdé, je me suis un peu éparpillé. J'étais pas trop dedans. Bah, ça arrive. Hein. Voilà, une prochaine, on verra. On perd plus qu'on gagne souvent, du coup. Faut passer à autre chose, ça va, c'est une compète, on a d'autres. J'apprends comme ça. Voilà.